J'y vais. Merci, mon vieux. Entrez. Êtes-vous Monsieur Sherlock Holmes? Oui, c'est moi. Alors fermez vite cette porte. Elle est à mes trousses. Eh oui, elle est là. Cette maudite et maléfique créature. Regardez, regardez là. Quelle toupet de m'avoir suivi jusqu'ici. Il n'y a personne dans la rue. Hein? Ah, elle est partie, elle s'est évanouie au moment où vous avez regardé. Excusez-moi, monsieur, mais qui s'est évanoui? Le fantôme de mon ancêtre, Eder. Son fantôme? Oui, son fantôme. Et le plus impudent des fantômes qu'on ait jamais vu dans toute l'Écosse. Ah, j'ai besoin d'un remontant. Une tasse de thé, peut-être, hein? Non, merci. Je n'ai pas cette sale habitude. Mais bien volontiers un petit verre de ce que notre grande Écosse a offert à la civilisation. Vous la prendre tout de suite. Vous savez, c'est démoralisant d'être poursuivi par un fantôme. Oh, pardon, permettez-moi de compléter les présentations. Le docteur Watson, monsieur McGregan. Comment saviez-vous que j'étais Malcolm McGregan, l'air de Brehalock? Je ne savais rien. Je présume que vous savez que ceci est un Gainsborough? Je le sais, monsieur. Et je veux le vendre. Mais ce démon ne veut pas. Heather. Oui. Toutes les fois qu'un acheteur s'apprête à me donner l'argent, elle apparaît et elle lui flanque la frousse. Ah, merci, docteur, j'en avais besoin. Oui. Vous avez besoin d'argent, monsieur McGregan? Hélas, oui, monsieur Holmes. L'hypothèque sur mon château expire à minuit demain soir. Monsieur Holmes, il me reste une dernière chance et il faut que vous m'aidiez. Un Américain doit venir voir le tableau au château demain soir. Vous devez empêcher Heather de le faire fuir comme les autres. Si vous échouez, je perds mon château. Vous savez, Holmes, ce fantôme est plutôt séduisant. Entendu, nous vous aiderons, monsieur McGregan. Je ne sais comment vous remercier, monsieur Holmes. Je vous en prie. Ah, voyons. Vous prendrez le Royal Express qui part de Londres à la gare de Heston. À 9h ce soir. À 9h03 pour être précis. Oui, c'est exact, docteur Watson. Il vous conduira jusqu'à Glasgow, et à Glasgow, vous vous rendrez à Buchanan Street, c'est la compagnie des chemins de fer écossais. Et là, vous demanderez un billet pour Brehalock. Entendu, monsieur McGregan. Une dernière chose encore, monsieur Holmes. Est-ce que le prix du voyage en chemin de fer sera compris dans vos honoraires? Ou bien devrais-je vous le payer en plus dès maintenant? Non, il est compris, monsieur. Attention délicate, monsieur Holmes. Vous êtes un vrai gentilhomme. J'ai entendu dire qu'on chassait le coq de bruyère à Brehalock. Non, mais Holmes, qu'est-ce que vous ramassez là? Un gant de femme du 18e siècle. Curieux endroit pour le trouver, Watson. Oui, très curieux. Bienvenue à Monsieur Sherlock Holmes et au docteur John Watson. Je vais faire porter vos bagages dans vos chambres. Oui, c'est ça. Eh bien, voilà une réception que je n'oublierai pas, être annoncé au son de la cornemuse dans un château d'Écosse. Je me demande à qui il nous annonçait. Oh, au fantôme, peut-être bien. J'avais oublié de vous dire, messieurs, que Lord McGregan est allé au village cet après-midi. Il a l'intention d'y demeurer jusqu'à ce soir, où il ramènera l'Américain de la gare. Il vous demande pardon. Cette pièce est sinistre et humide. Je ne serais pas surpris que l'air ait des rhumatismes. Ah, 8h30. Ça ne lui laisse pas beaucoup de temps jusqu'à minuit. Oh, c'est étrange, Watson. Ce portrait. Vous croyez qu'il est faux?
C'est ça. Laissez-la approcher. Réfléchissez et alors vous verrez aussi. La fortune des McGregan exige que je demeure ici. Et malheur à tous ceux qui oseront essayer d'ôter mon portrait d'au-dessus du foyer. Watson, le candélabre! Elle n'a pu venir que par là. Facilement 20 mètres de profondeur. Oh, rien d'intéressant ici, Watson. Retournons jeter un coup d'œil dans le vestibule. Si vous voulez. Est-ce moi que vous cherchez? Oui, Heather, c'est vous que nous cherchons. Votre gant, je pense. Aurais-je perdu mon gant quelque part? Oui, vous savez très bien où. Vous ne voulez pas que je vous le rende? Êtes-vous sûr que c'est seulement le gant que vous voulez me donner? Quoi d'autre? Un baiser, peut-être bien. Venez, Watson. Ça, c'est plus fort que tout. Vous avez raison. Oui, c'est extraordinaire, Watson. Eh bien, je dois avouer que Heather marque un point. Et un point très net. Écoutez, Holmes, je ne voudrais pas vous sembler ridicule, mais... Je comprends. Ça paraît inexplicable pour le moment, du moins. Oui, mais... Eh bien, enfin, je veux dire que tout ça me donne des frissons dans le dos, et sans parler de ce bruit de clochette. Qu'est-ce que tout ça veut dire? Je me demande qui détient l'hypothèque sur ce château. Un certain monsieur Ross, d'après ce que l'air a dit bien, que je n'arrive pas à comprendre pourquoi il veut ce château. Entre nous, il ne vaut même pas la peine d'être remis en état. Je suis persuadé, Watson, que nous découvrirons quelque chose en travaillant dans cette direction. Mais nous ne disposons pas d'assez de temps pour chercher. Nous devons essayer de traiter plus directement avec notre séduisant fantôme. Avez-vous déjà un plan, Holmes? Disons seulement que j'ai une idée. Une idée? Voyons, notre fantôme doit apparaître pour faire peur à l'Américain que McGregor amènera ce soir. Quand elle le fera, nous serons prêts à la recevoir. Et comment se prépare-t-on à recevoir un fantôme? Mais d'abord en essayant de savoir s'il est un fantôme. Oui, enfin, Holmes, quel est votre plan? Il y a deux petites alcôves en haut de l'escalier. Ah oui, à quelques mètres après le tournant. Chacun de nous se tiendra en haut de l'escalier, caché dans ses alcôves. Et quand Heather descendra faire son apparition, elle aura à passer devant l'un de nous deux. Et quand elle passera devant l'un de nous l'arrêtera. Non. On la laissera descendre pour faire son numéro, cela prouvera sa culpabilité. Et c'est seulement quand elle remontera pour disparaître qu'on s'emparera d'elle. Magnifique, Holmes. Et comme le Laird ne va plus tarder à revenir, nous n'aurons pas bien longtemps à attendre. Vous prenez la droite, Watson, et moi la gauche. En place pour le final. Bienvenue au Laird McGregan et à Monsieur Samuel Scott. Merci, Maître Bontel. C'est ce que j'appelle du service. Je croyais qu'il y avait deux autres types ici. Oui, McLeish m'a dit qu'ils étaient arrivés. Ils ont sans doute dû aller prendre l'air. Alors voilà l'œuvre d'art que je vais remporter chez moi. Oui, Monsieur Scott, c'est un portrait de mon ancêtre, Ed. C'est une œuvre du grand peintre anglais Gainsborough. Disparaissez, maudite créature sans cœur! Fuyez, allez-vous-en! Vous allez me faire perdre mon château! Réfléchissez, et alors vous verrez aussi. La fortune des McGregan exige que je demeure ici. Et malheur à tous ceux qui oseront essayer d'ôter mon portrait d'au-dessus du foyer. Revenez ici! Revenez, misérable créature, que j'en finisse avec vous.
faire ça à Heather. Vous n'avez pas le droit, revenez. Disparu. Mais je l'ai vu entrer nulle part. Holmes, alors vous l'avez? Non, elle est passée devant vous. Mais non, je crois que j'étais devant vous. Mais alors où est-elle passée? Mais voyons, Holmes, mais c'est... Oui, je sais. C'est impossible. Et des coyotes et des serpents à sonnette, on en trouve dans tous les coins dans mon pays. Mais la loi interdit les fantômes. Pourquoi me fait-elle ça, moi, Monsieur Holmes? Ça n'est plus son château, maintenant. Et j'aimerais bien emporter cette peinture et m'en aller tout de suite. Vous voulez dire, Monsieur Scott? Vous voulez dire que vous voulez toujours le tableau? Ben, dans ma famille, on n'a jamais permis à une dame de faire rater une affaire. Même si cette dame n'était pas une dame. Combien demandez-vous de la peinture? Eh bien, 5 000 livres. Combien acceptez-vous? 1 000 livres. 750. Vous êtes un gentilhomme, Monsieur Scott. Un vrai gentilhomme. Eh bien, que diriez-vous d'aller souper? Mon appétit est revenu. Ce souper me semblera un vrai festin. Voulez-vous avoir l'obligeance de me suivre, messieurs? Je ne permettrai pas d'inventer ça. Oh, oh, pourquoi me faire ça à moi? Oui, écoutez, Marglèche, retournez auprès de Monsieur Scott, tenez-lui compagnie et empêchez de venir ici le plus longtemps possible. Et surtout, ne lui parlez pas de ça. Je ferai de mon mieux. Tant qu'il y aura à manger, il restera, je pense. Aide, je t'en prie, rends-le-moi. C'est mon propre portrait. Et tu ne le vendras pas, entends-tu, Malcolm McGregan? N'as-tu aucune considération pour ma détresse? Elle est partie. Ah, on n'attrape pas un fantôme. Quelque chose? Notre première preuve matérielle. La clochette, Holmes. Ah, elle était cousue à quelque chose. Probablement un gant. Eh bien, pour ne rien vous cacher, je me sens soulagé. Oui, eh bien, pas moi. Il est déjà 11h15. Mon tableau a disparu et je vais perdre mon château. Écoutez, il ne faut rien dire de tout cela à Monsieur Scott. S'il revient ici, dites qu'on est en train d'emballer le portrait. Il faut qu'il continue à vouloir l'acheter, jusqu'à minuit. Il n'y a rien à acheter, maintenant. Faites-moi confiance. Oh, ce Holmes! Ah, il court comme une antilope. Je vous l'ai déjà dit 100 fois, ne prenez pas de risques. Je suis fatiguée de faire toujours la même chose, encore et encore. J'ai pas aimé vos variantes. Mais de quoi parlez-vous? J'ai dit mon texte sans bavure, je suis comédienne de métier, et j'ai du talent. Vous n'êtes qu'un ingrat sans jugement, mais j'obéis à ceux qui payent. Oui, oui, on reparlera de tout ça quand j'aurai mon château. Que tas de vieilles pierres vous intéressent à ce point-là, ça me dépasse. Ce qui m'intéresse, ça se voit pas à l'œil nu. Je vous remercie bien d'avoir fait emballer cette peinture. Et si elle est prête assez tôt, je pourrais lever le camp et changer d'air des soirs. Monsieur Archibald Ross. En note du fait que moi, on m'annonce pas la cornemuse. Oh, c'est un honneur réservé aux autres que le laird aime recevoir dans son château.
D'ailleurs, si tu veux mon opinion, j'aime pas la façon dont tu joues de la cornemuse. J'opposerai une dignité sereine à votre opinion, monsieur, car votre tête n'est remplie que d'hypothèques. Et puisque nous parlons d'opinion, Archie, la mienne est que tu es une honte pour l'ensemble de ton clan. Emballe tes cornemuses, McLean, je t'en auras besoin ailleurs. Bon, je viens toucher mon argent. Vous aurez votre argent avant minuit, Archibald Ross. Je dispose d'une demi-heure encore. Et où donc espérez-vous le trouver en si peu de temps? J'ai vendu le portrait de mon ancêtre Ever à Monsieur Scott, que voici. Le portrait? Mais je vois pas de portrait qui soit à vendre. Je l'ai enlevé pour le faire empaqueter. Vous mentez. Je peux vous payer maintenant. Ça pourrait vous rendre service. Pour être franc, j'aimerais régler cette affaire et m'en aller avant que ce fantôme en jupon revienne nous voir. Je repasserai à minuit, ou un petit peu avant. Encore? Oui, et je veux que ce soit le rôle le plus terrifiant de votre vie d'actrice, cette fois. Tout de suite? Non, je veux y assister. Donnez-moi 10 minutes, le temps de reprendre le souterrain et de sortir. Il faut que je revienne par la porte principale, vous le savez. Mon cher, je vous promets un spectacle qui vous effraiera à vous-même. J'y compte bien, fillette. D'ici, j'entends la nouvelle dévastant tout comme un feu de prairie. Depuis ici jusqu'à El Paso, partout on dira « Sam Scott vient d'arriver revenant d'Europe avec un authentifique Eugène Bourreau. » Un quoi? Un Eugène Bourreau, voyons. Ah, j'ai mal compris. Monsieur Archibald Ross, encore. Alors, McGregan, vous êtes à bout de souffle, Archibald Ross, c'était inutile de courir, vous êtes en avance. J'étais pas sûr de l'heure. Hein? Je ne vois pas la pendule d'ici, mais il n'est pas minuit encore. Malheur à l'un de ceux qui sont ici. Que le malheur s'abatte sur lui qui défie ma volonté, ma parole et mon vœu. Son forfait doit s'accomplir à minuit. C'est donc à cette heure-là exactement que la malédiction commencera. Désormais, il vivra ses jours dans la misère et la solitude. Il vivra ses nuits dans l'horreur de la peur. La peur le suivra comme une ombre tout le long des jours et des nuits. Venez vite, Watson! Elle n'a rien, j'espère. Non, elle n'est qu'évanouie. Monsieur Holmes, c'est vraiment vous? Oui, Monsieur McGregor, occupez-vous d'elle. Nous allons nous occuper du portrait. Ah, très bien. Holmes, comment? Suivez-moi, Watson. Je viens. Alors, tout ira très bien maintenant. Et entre nous, vous avez ce que vous avez mérité, mais je dois avouer que ça a dû être un choc terrible, mon petit. Remettez-vous, c'est fini, et maintenant, vous allez vous reposer un peu. Voyez-vous, quand notre premier piège a échoué, il ne restait qu'une réponse. Il existait un passage secret, mais je voulais aussi le fantôme. Oui. Regardez, Holmes, le portrait. Oui, je l'ai vu. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Apparemment, le plan du château de McGregan. Ah oui, bien sûr, ça nous explique les disparitions d'Heather. Les sous-sols ne sont qu'un labyrinthe de passages secrets. Ah, voici une chose qui vous intéressera, Watson. Une trappe donnant accès à un souterrain passant sous les dalles du mur de ronde. Alors, c'est comme ça qu'elle a disparu la première fois? Ah, je me sens beaucoup mieux. Il faut maintenant rapporter le portrait à Monsieur Scott et régler la vente avant minuit.
Eh bien, on dirait que la fin approche. Il ne vous reste que 5 minutes d'après votre pendule. Je sais lire l'heure. Tu es sûr de ne pas t'être trompé? Monsieur McGregor, voici votre tableau. Eh bien, vous pouvez le remporter où vous l'avez trouvé. L'acheteur est parti et ne reviendra sûrement pas. Il n'a pas su apprécier vos effets théâtraux, monsieur Holmes. Watson, prenez le portrait et tenez-le en l'air devant la cheminée. Comme ça? Oui. La fortune des McGregor exige que je demeure ici. Est-ce une menace ou est-ce une indication sur l'endroit où le trésor est caché? Maintenant, imaginons que la toile soit au-dessus de la cheminée. Que montre-t-elle du doigt? On dirait que c'est le mur qui est en face. Voyez-vous, ce portrait a un sens caché qui m'avait échappé. Remarquez l'alliance à la main droite, le châle sur l'épaule gauche et le clan mis du mauvais côté du bonnet. En fait, tout est mis à l'envers. C'est vrai, je ne l'avais encore jamais remarqué. Eh bien, Gainsborough a peint sa réflexion. Réfléchissez avec moi et vous verrez aussi que ce qu'elle montre du doigt est exactement là. Des billets de 100 livres. Faites-les voir. Ce trésor, je garderai jusqu'au jour où un McGregor sera ruiné et que cette Bible le protège. Heather McGregor, AD 1746. Ouais, ben je t'embrasserai. Rien que des bouts de papier sans valeur. Mais ce sont des billets, de vrais billets de 100 livres. Oui, oui, des billets sans valeur émis par le bon prince Charlie avant sa mort. Le voilà, votre trésor. Ça suffit, je prends possession de mon château. Une minute, monsieur Ross. J'en ai assez de vos tours. Il se trouve que cette Bible est une authentique Wittenberg. Sans valeur en 1746, elle doit bien valoir plus de 5000 livres aujourd'hui. Eh bien, je suis heureux d'apprendre ça. Le château est à moi et la Bible va avec. Ainsi que la tentative de fraude. Et ainsi que le nombre suffisant de témoins. Sans tenir compte de votre complice. Et par-dessus tout, les dommages et intérêts que personnellement je vous réclamerai pour le choc que mon système nerveux a subi par la faute de votre faux fantôme. Seul un démon pouvait inventer une chose aussi diabolique que ça. Monsieur, croyez-vous que ça n'est pas suffisant pour vous conduire en prison? Hein? Oui. Merci pour tout ce que vous avez fait, monsieur Holmes. Ça a été une partie de plaisir. Merci d'avoir trouvé le trésor et sauvé le château. Vous êtes une trop bonne actrice pour ce genre de travail, Heather. Mais jamais je n'ai été dupe de vos tours, vous savez. Il est impossible à une faible femme de duper un homme aussi intelligent et aussi fort que vous, Dr. Watson. Adieu et bon voyage.